Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Wakfu, enfin, plus précisément pour la suite du Wakfu récompensé sur le jeu Age of Empires 2 et plus précisément l'édition HD. Nous avions terminé la campagne des rois, The Age of Kings, dans le jeu originel. Et aujourd'hui, nous attaquons Age of Empires 2, The Conqueror, bon, qui s'intitule la campagne des conquérants. Puis les deux DLC suivants seront des DLC qui seront exclusifs de l'édition HD qui sont uniquement disponibles en dématérialisé. Mais avant d'y arriver, nous allons faire la campagne des conquérants, donc The Conqueror. Nous avons 4 campagnes, enfin 3 campagnes plus une quatrième où c'est des missions de manière générale. Donc nous avons Attica le 1, le Cid, Moctezuma, donc nous avons les 1, les Espagnols, les Aztèques et de la bataille conquérant, donc juste vous spoiler un peu. Nous avons en gros des grandes batailles de l'histoire, des événements plus ou moins historiques. De manière générale, c'est assez historique, donc on peut quand même s'y baser. Mais bon, il y a parfois aussi des grosses conneries, hein. Je vous expliquerai notamment quand on les fera. Donc vous voyez, on peut jouer les Francs et les Britanniques, les Vikings, là, ça doit être les Espagnols, il y a plein de factions différentes que vous pouvez jouer. Et donc ça sera le petit fin, je les ferai dans l'ordre chronologique, hein, bien évidemment. Et bon, ça sera une fois qu'on aura déjà fini cette campagne. Donc nous allons commencer par la campagne de Attila le 1. Des hordes de barbares se nourrissent des restes de l'Empire romain. La plus dangereuse d'entre elles, le peuple des Huns, est dirigé par un chef féroce nommé Attila. Après avoir émergé des steppes bordant la mer Caspienne, pillant et brant tout sur leur passage, les Huns sont devenus si puissants que l'Empire romain se voit contraint de leur verser un tribut. Mais Attila, le roi d'Inde, n'est pas satisfait et mobilise ses cavaliers pour envahir la Gaule, puis à Rome. Comment faire pour arrêter ce féroce Attila? Et nous allons commencer par la première mission, le fléau de Dieu. Quel macabre trophée que cette tête fichée au bout d'un pic, en plein cœur de la chapelle de Chalon. Il m'a fallu des semaines avant d'oser demander au père Armand pourquoi il la conservait. Se remémorant le passé, le vieil homme a longuement regardé par la fenêtre avant de me dire « J'y étais, à la bataille des champs cataloniques, combattant aux côtés d'Essius et de Théodoric le Gaulle. J'avais entendu parler de cette bataille. Parfois, des paysans retournaient encore avec leurs charrues, des squelettes et des boucliers brisés. Qui était-ce, mon père? Contre qui vous battiez-vous ? Se retournant vers moi, il m'a paralysé de son regard. Son regard était impressionnant. « Attila le 1 » m'a-t-il répondu. Puis il s'est mis à raconter. Dans les années 400, les Huns s'étaient lancés à la conquête de l'Empire romain, alors affaibli par la corruption et menacé par l'expansion des tribus barbares, elles-mêmes soumises à la pression de ses envahisseurs. Les guerriers Huns, originaires des steppes d'Asie, le corps couvert de cicatrices rituelles et les jambes déformées par d'incessantes chevauchées avaient une allure terrifiante. Malgré leur terrible aspect, les Huns n'auraient été rien de plus que des malfaiteurs si Attila n'avait pris leur tête. Mais sous les ordres d'Attila, qui se faisait appeler le fléau de Dieu, et de son frère Bléda, ils ont dévasté la Scythie et la Perse. Le Moyen-Orient, si vous préférez, en localisation. Il faut savoir qu'il y a deux hordes, une horde au Moyen-Orient et une horde un peu plus au nord dans les steppes russes. Tu contestes chacune de mes décisions. On dirait que tu veux être le chef des Huns. Bien. Le sanglier de fer se cache par ici. Celui qui tuera cette bête légendaire mènera notre peuple. Par ici, Attila. Suis-moi. Bléda nous guidera jusqu'aux ruines. Il ne reviendra peut-être pas de cette chasse aux sangliers. Un accident est vite arrivé. Alors, je vais mettre sur pause tout de suite. Donc là, nous avons un truc en plus, on va regarder tout de suite. Attila doit faire assassiner Bléda, puis revenir au camp des Huns. Alors seulement qu'il y a un pour combattre leur ennemi. Or, nous avons... Il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités pour ce début de partie. J'ai envie d'utiliser qu'une et pas plusieurs. Donc nous avons la technique. On débute le sanglier, on attaque. Il nous trahit, Bléda nous trahit avec des archers. Il va nous attaquer, on se replie. Après on attaque tout le monde. On laisse Bléda prendre l'aggro des sangliers. On le sauve avant qu'il meure entièrement.
Il nous trahit, on le tue. Et on prend le commandement. Il y a la technique. On laisse mourir contre le sanglier. Il y a même la technique aussi, on fuit sanglier. On laisse. Et après, bon, il y a une guerre civile. Moi, je vous conseille de laisser Breda débusquer le sanglier. De le sauver à rien du tout et de le tuer. Comme ça, en revenant au camp, vous aurez accès à l'intégralité de l'armée. Donc, conseil, Breda peut être vaincu de plusieurs manières. Vous pouvez vous déclarer comme ennemi et l'attaquer, faire mort accès à notre terre, refuser de combattre et fuir au camp des 1. Si on fuit, ben, on a moitié de l'armée avec nous. Si on refuse le combat, ben, on a que la moitié de l'armée. Si on fait mourir accidentellement, ben voilà. Recherchez les alliés inattendus, les sites, c'est pas en montant avec les Romains. Vous pourrez peut-être les convaincre de s'entretuer, les 1. Vous pouvez uniquement aller à ce château. Rapport de vos éclaireurs. Attila, le 1, ne commande aucune troupe, car rien, sans fidèle au roi unique, Breda. À toi de donc détrôner Breda pour récupérer les troupes et les villageois. Trois autres ennemis sont répartis sur le terrain. L'Empire romain d'Occident, bleu, dispose d'un fort au sud, sont détenus des prisonniers uniques. Les Romains comptent sur de l'infanterie pour le combat. Unique, c'est en gros des 1. Les sites sont un campement qui s'étend à l'est, comme ils sont un peuple nomade, ils disposent de quarts de pierre non exploités dans leur zone. Ils ont énormément de terre. Et l'ennemi ultime a cité Perse de l'autre côté de la baie vers l'est. Les Perses amassent beaucoup d'or, mais leur armée est constituée de mangonaux, des fonds de guerre, ainsi qu'une flotte considérable. Une piste. Passe devant pour essayer de débusquer le sanglier. Alors, un truc que je vais déjà vous apprendre, c'est à partir de The Conqueror que les héros vont s'auto-régénérer. Voilà, vous faites ça comme ça. Sanglier de fer, à 350 PV, et 210 de PV à chaque fois. Donc nous, on attend. Après, on peut même laisser mourir dessus. Attila, sans ton intervention, ce sanglier m'aurait tué. Dommage, ta loyauté restera à jamais inconnue. Archer, à l'attaque! Bléda est mort. De retour au camp, Attila amènera seul Léa. C'était une embuscade. Bléda a essayé de tuer Attila. Il ne doit pas régner. Tuons les traîtres qui restent. Et voilà. Bon là vous pouvez laisser votre héros s'en occuper. Hein. Donc le Breda, ils ont bloqué sa rémunération de PV, mais normalement il se régénérerait si en temps normal. Après vous pouvez le laisser mourir accidentellement dessus parce que le défi c'est de tuer le sanglier de fer et une fois qu'il est mort dessus, bah vous le tuez. Attila est roi des 1. Il nous mènera à la victoire sur nos ennemis jurés. Alors ça va là. Merci pour les ressources. Donc les 1, je vous présente. Bon, là nous débloquons toutes les factions dotées d'un petit casse espagnol. Donc les Aztèques, les Coréens, les Espagnols, les 1 et les Mayades arrivent avec The Conqueror. Donc les 1 sont une situation de cavalerie. Logique, c'est des nomades. Donc pas d'habitation, mais on a moins de bois au départ. On a en campagne et moins de sang, c'est pas important, mais quand on fait des parties standards, c'est important. Et cavalier archer coûte moins 25% à château et moins 30% à l'âge impérial. L'archer de cavalerie. Ça fait penser un peu aux Mongols. Sauf que les Mongols, ces archers de cavalerie tirent plus vite. C'est un peu une faction d'archers de cavalerie. Un mix un peu entre les deux, les uns sont plus équilibrés. Donc les trébuchettes ont plus 30% de précision. Tarkan, c'est de la cavalerie. Technologie unique, ATIS. Les écuries travaillent 20% plus rapidement. Donc là, je vous montre vite fait l'arbre de technologie. Ligne de sang arrive dans l'extension The Conqueror. Les guerriers, on les découvrira plus tard avec les factions amérindiennes. Au niveau naval, rien ne change. Ici, il y a des changements qui sont arrivés avec The Conqueror. Il y a la médecine aux plantes qui arrive en plus et hérésie. Ici, on a athéisme. Donc là, après, bon, ça c'est normal, là c'est normal. Ici, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change. Voilà. Donc je viens de vous présenter les changements qu'a apporté The Conqueror au jeu. Et je ne sais pas, attends, je vais juste regarder un truc. Ça vous dérange pas. D'accord, c'est dans l'édition suivante. Enfin, l'édition suivante, c'est dans l'épisode d'après. Donc battez deux de vos trois ennemis.
Donc ici, vous réfléchissez. Voilà, on a une troupe qui explore. Nous avons réduit en cendres ce camp romain. Alors, les chevaux, récupérez-les et stockez-les. Il y a quelque temps, les Romains ont capturé des villageois. Hein. Blida a négocié leur retour, mais je ne lui fais pas confiance, pas plus qu'aux Romains. Nous devons les libérer. Trêve de palabres. Ah, trêve de palabres. J'aime bien cette phrase. Donc, vous voyez que l'Empire romain d'Occident est à l'âge féodal. Bah, comme tout le monde, de toute façon, il n'y a que nous qui sommes à l'âge son, mais nous, on a déjà de la. Faut se dire qu'on a déjà des unités de cavalerie de niveau. De niveau 3. Quand je dis niveau 3, c'est quand même des unités de cavalerie d'élite. Et il faut savoir que les Tarkans sont des unités particulières étant donné qu'ils ont un bonus de dégâts contre les bâtiments. Donc c'est vraiment des pilleurs. Ils se font un peu attention, ils tiennent une torche dans la main. De toute façon, les pilleurs, c'était connu comme ça. Ils prenaient des torches et ils balançaient dans les chaumières en. Pour pouvoir foutre le feu. Donc on va envoyer Attila prendre l'agro. On va envoyer. Nous avions un accord avec Bléda. Je ne livrerai pas les captifs à Attila. Voilà. Vous devrez les prendre de force. C'est au courant. Donc là, Attila est résistant, mais pas trop quand même, faut pas exagérer. Mais là, ce qui est important, c'est de récupérer les tours rapidement. Voilà. Là, maintenant que j'ai fait ça, j'ai déjà fait quasiment le plus dur de la mission. Voilà. Ça, c'est fait. Donc ici, ils vont. Les pères sont arrivés à la suivante. Bon, il y a énormément de tours, par contre, chez les. Je suis le fils de Lycorsais, l'un des chefs de mon peuple. Libérez-moi et vous serez récompensé. Nous sommes sauvés. Alors, vous allez vous demander pourquoi je ne bouge pas mon. Voilà, je pouvais faire ça si vous voulez pour esquiver les flèches. Mais voilà, je ne bouge pas parce que c'est une unité, comme je vous l'ai dit, héroïque qui s'auto-génère, régénère. Vous voyez, il regarde quelques PV. Et si vous avez fait bien attention, j'ai perdu 0 unité de cavalerie. Donc là, on va mettre. Voilà, on va le libérer. Vous voyez, 1000 PV. Et là, surtout, vous récupérez un grand nombre de villageois. C'est pour ça que j'ai pas. Merci de m'avoir sauvé. Nous devrions nous aider entre nos mains. Si Attila, votre chef, va à notre village à l'ouest, notre peuple forgera peut-être une alliance. Pour l'instant, une trêve ? Ça me convient. Ça me convient. Voilà. Donc là, vous vous imaginez déjà la suite de la mission, déjà. Si on a une trêve avec lui, ça veut dire qu'il faudrait qu'on rase le dernier. Ah, donc là. Donc comme vous voyez, l'attaque est plutôt rapide. Donc nous avons plein de Tarkans normal et l'un d'entre eux, vous voyez ce que je retrouve. Bah, c'est chef des 1. Donc il a plus, il a juste plus de PV et plus d'attaque. Mais c'est un Tarkan, ça reste un Tarkan. Oh, j'avais oublié qu'en difficile, il avait un château. J'avais zappé. Ouais, c'est. Vous voyez, je redécouvre des trucs. Parce qu'habituellement, je joue toujours en normal quand je m'entraîne. Parce que cette campagne-là, j'ai refait qu'une seule fois. En fait, il faut savoir que j'ai refait qu'une seule fois toutes les campagnes quand j'ai obtenu le jeu. Donc, il se peut que j'ai oublié certains détails entre-temps. Mais globalement, le jeu, je le trouve... Du fait qu'en fait, j'ai tellement fait d'heures de jeu dessus, j'ai tellement joué au jeu... Et que j'ai une bonne mémoire, le jeu je m'en souviens suffisamment bien pour vous faire un walkthrough sans aucun problème quoi. Donc là il y a une tour ici qu'on ira démolir plus tard. Donc ça c'est bon, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ici on en a 5, alors 2, 4, 6, 8,
10, 11, on en a 11. 12, 12, parfait. 12, c'est un bon nombre, de manière générale. Voilà, donc, faut raser le château. Après, bon, le truc avec les villageois qui savent pas où ils vont, c'est tellement courant sur ce jeu que ne soyez pas surpris. À vrai dire, c'est même un petit truc qui fait son charme, quoi. Ça montre que c'est un vieux jeu, quoi. Voilà. Alors là, Métarcan, comme toujours, Attila prend la gros. Normalement, il va pas m'attaquer. Voilà. Là, maintenant, lui, il peut aller là-bas. Ta faculté a amené Attila au village site à l'ouest pour discuter d'une alliance. Croyez-moi ou non, mais l'alliance sera pratique. Donc là nous en avons déjà un petit nombre. Donc maintenant qu'ils ont rasé tous les bâtiments ici, ben on va raser les derniers bâtiments qui restent, hein, intéressant. Ici vous pourrez récupérer pas mal de ressources. Donc c'est non... C'est plutôt avantageux, quoi. Nous sommes plus que redevables envers les uns. Mais nous avons vraiment besoin de chevaux. Donnez-nous 10 chevaux et nous paierons notre dette d'honneur. Voilà. 10 chevaux, pas plus. On dit oui, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on y perd à redonner 10 chevaux, sincèrement. Les chevaux, vous les récupérez, vous serviront à rien. Bah faites-le. Ouais, c'est comme ça que vous envoyez. C'est pour ça que j'ai récupéré autant de chevaux au début de partie. C'est pour ça. Donc, priorité bâtiment de production et les tours à démolir. Les casernes en priorité, parce que c'est les unités qui vont faire le plus de dégâts à vos troupes, les tours également. Les archers sont les unités faciles à tuer avec de la cavalerie, donc vous pouvez vous en occuper en dernier ou laisser Katia s'en occuper, ça suffira. Mais si j'ai un conseil, évitez quand même de perdre des unités, quoi, sincèrement. Vous devriez pas en perdre à ce moment-là du jeu, enfin à ce moment-là de la partie. Voilà, il a capitulé. Donc là, je vais laisser tout démolir ce qui reste. Voilà. Ah, et là ils vont nous donner 20 Mungudei, si je me trompe pas. 18. Ah non, 18. Je crois que c'était 20. On a 18 Mungudei. Et là l'avantage, vu qu'on a allié un Mongol, on va ici, Mongol. Non, Supremaya. Mongol, cavalerie d'éclairage, cavalerie hussard, donc voilà. J'ai le bonus des Mongols qui s'applique maintenant à ma faction. Donc ici je peux directement passer parce que j'ai deux bâtiments, j'ai déjà moi plusieurs bâtiments de cette époque. Passage à suivant. De mémoire, les bâtiments vont être bloqués dans le design qui sont. Ce qui est courant. D'ailleurs, je me demande un truc, mais je crois que le problème est toujours présent depuis le temps. Et qu'ils vont jamais corriger. Vous comprendrez en fait quand j'attaquerai le dernier ennemi. Je vous parle d'un problème et vous comprendrez assez vite de quel problème il s'agit quand vous verrez. Donc ici on rase tout ça. Ah les châteaux, donc. Ah oui, il y avait aussi deux chevaux ici, j'avais oublié les deux là. Donc là on va le buter. Ça sert plus à rien. Je suis cruel, je sais. Cartographie n'est pas encore gratuite dans ce jeu, d'accord, c'est donc suivant. Le problème c'est vu que j'ai pris habitude avec The Forgotten, il y a plein de trucs qui sont pas encore implémentés dans le jeu, The Conqueror en fait. Le problème en fait quand vous jouez régulièrement en escarmouche, et que en escarmouche il y a des trucs qui viennent de tous les DLC que vous n'avez pas forcément là. Bon après c'est le jeu quoi. C'est ça qui fait le charme du jeu aussi.
Donc la cueillette se passe bien. Ici, je sais pas si les améliorations peuvent marcher, mais je crois que... je pense que oui quand même. La cartographie, on va. Donc ici, vous voyez un gros gisement de pierre ici. Un autre ici. Je sais pas s'ils ont des gisements d'or, je crois pas. Ouais, s'ils ont plein de gisements de pierre. Et pourquoi je l'attaque pas, c'est que vous regardez les fortifications. Vous dites, ouais, mais ça va, c'est tranquille. C'est vrai que c'est pas un ennemi trop dur à attaquer. Ils ont que des tours, ils ont beaucoup d'unités d'archers de cavalerie. Et le problème, c'est ça. C'est ils ont beaucoup d'unités d'archers de cavalerie, ils ont beaucoup de tours. C'est parfois un peu compliqué. Après, vous allez me dire, bah, les Perses, ils sont pas mieux. Hein. Je vais juste vous dire, mais un Perse, c'est que des éléphants de guerre de manière générale en grosse unité menaçante. Sinon, c'est que des standards. Donc en peur, moi je préfère affronter un Perse qu'affronter une autre faction. Hein. Ouais, c'est bien. Le design est bloqué. Ok. Donc là-bas, nos alliés vont lancer des raids sur maintenant notre ennemi commun. Alors ça, c'est parfois des petits bugs graphiques qu'il y a. Les unités détruites apparaissent encore apparaissent encore sur minimap pour qu'ils n'existent plus. Voyez, hop. Faut regarder de nouveau. Et voilà, après, ironiquement, je trouve que c'est ces petits bugs-là qui font que je remets du jeu, quoi. La pierre, il me faudra un bon petit stock de pierre, donc je vais déjà en envoyer là-bas. En or, ça coûte de l'or, je crois, ça. Oui, ça coûte de l'or, donc on va vendre ça. Voilà, et on va en faire 10. Il y a caravane qui... on débloque aussi l'amélioration caravane sur les unités de commerce qui augmente leur vitesse de 50%, je crois. Grâce à cette édition. Donc ici, on va continuer la chasse. Regardez le nombre de gibiers qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 gibiers. Pourquoi je m'embêterais à faire autre chose que de la chasse en début de partie? Alors qu'on sait que la chasse, c'est un des trucs les plus rentables du jeu. Et qui rapporte le plus de ressources. Voilà, une fois que vous savez ça, c'est bon. Donc là, notre allié, il va scouter un peu les derniers adversaires. Vous voyez, ils ont quand même... En ce moment, on compare les deux, ben, les Perses à l'air plus menaçant que les Mongols. Cependant, si vous êtes en guerre avec les Mongols, donc les Scythes, vous avez uniquement accès à cette pierre-là. Et c'est le seul gisement ici, vous n'avez pas accès aux autres ressources. Donc après se dire, ah mais on a accès à telle et telle ressource, ben c'est bien beau, mais techniquement faut encore y battre. Et avec toutes les tours qu'ils installent, moi je préfère attaquer des fortifications qui sont, on va dire, traditionnelles, donc des tours mis à des endroits habituels dans une ville, plutôt qu'attaquer un truc totalement nomade où tu sais pas du tout avant de l'avoir attaqué où ça se trouve. Mais bon, après, il suffit de prévoir suffisamment d'unités d'anti-archers de cavalerie et c'est tranquille, hein, qu'on se mette quand même d'accord. Elle plutôt. Donc l'or, ça rapporte 29. 29. Pas beaucoup quand même. 29. Donc là, il me faudra un moine à un moment pour que je puisse guérir mes troupes. Alors 4 unités ils n'ont pas 3 étant donné que j'ai toujours pas fait les améliorations de la ouais, brouette et la suivante. Alors l'or, on a toujours aucune personne à l'or, je suis au courant. Les arcans, je crois qu'ils coûtent de l'or d'ailleurs. Donc voilà, cette mission est globalement assez rapide, mais là il y a la phase un peu molle du jeu. C'est la phase où ben on doit attendre. Et malheureusement, ben cette phase là, on peut pas s'y dérober à cette phase là dans les jeux de la série Age of Empires. Il y a toujours une phase où ben ça se passe moins vite et il n'y a pas le choix quoi.
Ouais, c'est plus dehors. Ouais, mais priorité déjà à ça. Il y a deux, vous voyez, là-haut. Voilà, comme ça. Ouais, comme ça, on va récupérer énormément de gibier. Ce qui est toujours ultra rentable, le gibier. Ouais, après, ici, il y a une petite mine d'or, là. Vous faites attaquer, mais pas les sites. Voilà. Là, vous comprenez le souci, c'est qu'en fait, les sites vont vraiment attaquer nos adversaires communs, les Perses, mais ils vont pas être attaqués par les Perses. En gros, ils viennent, bonjour, on vous attaque, on vous déclare la guerre, mais vous ne nous attaquez pas. Et c'est là que je dis que le jeu, il y a un petit souci, parce que moi, ça m'a toujours surpris, je suis toujours dans une situation où je me dis, ben, c'est quand même un ennemi officiel, mais qui lui tire pas dessus, et... Après, c'est tant mieux pour nous, ça nous facilite le bordel, mais... Enfin, ça nous facilite le bordel, ça nous facilite la mission, mais...